Dans le corridor numéro 1, lane 1, from the Maryland Terrapin Swim Team, Jeffrey Winters. Dans le corridor numéro 2, lane 2, du Rouge et Or, Université Laval, Benjamin Lemaguet. Dans le corridor numéro 3, lane 3, from the London Aquatic Club, Jake Armstrong. Couloir numéro 4, lane 4, from Toronto Swim Club, Jeffrey Sudbury. Dans le corridor numéro 5, lane 5, the Canadian record holder in this event, le détenteur du record canadien dans cette épreuve, from the UBC Dolphins, Scott Dickens. Couloir numéro 6, lane 6, from the Toronto Swim Club, Warren Barnes. Couloir numéro 7, lane 7, des Mégafias de Trois-Rivières, Hugues Patry. Dans le corridor numéro 8, lane 8, du Club aquatique Montréal, Julien Roy-Lavallée. Couloir numéro 9, lane 9, from Club Wolverine, Kyle Duckett. Et finalement, dans le corridor numéro 10, lane 10, from the Nittany Lion Aquatic Club, Scott Marino. À vous, Madame l'arbitre. Meilleure performance ce matin chez les messieurs aux 50 brasses, 28-42 par Scott Dickens dans le corridor numéro 5, également détenteur du record canadien dans cette épreuve, un temps de 27-45 réalisé en 2009 à Montréal. Canadian record holder in this event, Scott Dickens, did a 28-42 this morning. Canadian record is 27-45, set back in 2009 in Montreal. Et le 50 mètres brasse chez les messieurs, remporté en 28-14. The winner in 28-14, Scott Dickens. Deuxième position, Jeffrey Sudbury en 28-61. Et finalement, en troisième position, third place, dans le corridor numéro 3, in lane 3, 29-13 for Jake Armstrong. Les résultats sont officiels. Results on the board are now official. Swimmers, please clear the pool. Nageurs, veuillez sortir de l'eau, s'il vous plaît. Faisons place maintenant à la finale B du 50 mètres brasse chez les...